Ce qui est intéressant dans l'aboutissement de notre texte, c'est qu'il y avait, enfin, on était plusieurs, hein, évidemment, avec chacun une pensée par rapport au texte et aux différents sujets, aux 5 thèmes qui nous ont été attribués. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des consensus, en fait, et on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant, parce que chacun dit ce qu'il a à dire et sans être sans tabou, en fait, sans être bloqué. Disons que le progrès, au début, c'était que les gens ne les connaissaient pas, donc dans notre groupe. Et donc, il a fallu apprendre à connaître un petit peu les gens. Mais je pense que dès qu'on avait quelque chose à dire, dès le début, on le disait, on n'était pas bloqué dans aucun sens. Et que même si on s'entend bien avec certaines personnes, si on n'était pas d'accord sur un point, on dit ce qu'on a à dire. Et puis ensuite, c'est un débat et chacun donne ses positions, qu'il soit d'accord ou pas d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord, en fait. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir s'écouter et de faire avancer le texte. Ce que je retrouve de marquant, c'est notre implication et puis l'accueil qu'on a eu dès le début. On a été totalement intégrés, on a l'impression qu'on fait partie de leur groupe depuis Mathusalem. Et nous, on vient d'arriver. Donc, on a été extrêmement bien intégrés, on est au niveau des commentaires qu'on a à faire ou les questions qu'on a à poser, on est exactement au même niveau que toutes les personnes qui sont membres de cette commission. Et tout le monde nous écoute. Et quand on a des questions à poser, ce qui est très bien, c'est qu'ils répondent aussi à nos questions. Et ça, ça me paraît très important, parce qu'on n'a pas la même vision qu'eux. Nous, on est des citoyens, que ce soit du corps public ou privé, et on n'a pas de casquette politique, on n'a rien de tout ça. Et donc, au final, on n'a pas les mêmes enjeux. Pour nous, c'est vraiment dans... Je veux dire que quand on réfléchit sur un point, c'est sur qu'est-ce qui peut être bon pour nous demain, en fait. Et puis, j'ai trouvé aussi que des fois, c'était assez bien qu'ils comprennent aussi que nos problématiques, forcément, c'est peut-être pas les leurs, mais ce sont des problématiques qui sont importantes. On a chacun des opinions différentes. Et à partir du moment où tout le monde s'écoute, le dialogue aussi peut avancer, les démarches et les textes ont pu avancer, parce que chacun donne son opinion et chacun est là aussi pour dire le pourquoi notre position est importante ou pas, et ça nous permet en fait d'avoir un consensus et de pouvoir tous marcher d'une seule voix, en fait. Et c'est ça qui est important, même si au début il y a des désaccords entre les personnes.